Centipede. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mr. Big Days, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va très bien, j'ai la patate, la grande forme, on commence sur du Call of Duty Ghost, et donc moi ça va super bien parce que j'ai vu, même si ça fait quand même pas mal de temps, que j'ai atteint les 200 abonnés, et donc comme vous l'avez vu, j'ai changé d'intro. Donc déjà tout simplement je vais remercier Rockboy pour cette super intro, où je pense qu'il a quand même passé beaucoup de temps, sachant qu'il est débordé en ce moment, et que les lois de YouTube ayant changé, ben, les musiques qu'il utilise ne sont pas les siennes, donc c'est un peu plus dur déjà pour lui de faire des intros, tout simplement, pour les gens. Donc je sais qu'il y a passé beaucoup de temps. Voilà, ma classe apparaît en haut à droite, donc mettez pause si vous voulez la voir. Donc c'était la K12, silencieux... Et l'accessoire, je sais plus comment il s'appelle, pour enlever le recul. Donc c'est une assez bonne partie, je vais pas rentrer dans le détail de kill. Donc c'était sur Flow Dead, si je prononce bien. En domination. Donc j'étais sous le compte Mr. Big Days, parce qu'il n'y a qu'avec lui que je joue à Call of Duty Ghost, en tout cas. Donc aussi, je voulais vous parler d'un sujet qui est... je sais pas si c'est vous, mes abonnés, qui me demandez en ami sur le PSN, donc ça me dérange pas que vous me demandiez, mais c'est juste, mettez une remarque si vous me demandez, parce que, pour pas que je m'y perde, parce que je reçois beaucoup de demandes d'amis, mais après, il y a aussi des gens, ils me demandent un ami pour avoir plus d'amis, et ça, je suis désolé, je suis pas trop d'accord avec ça, pour ça, mettez des remarques si vous voulez vraiment m'ajouter un ami, après, je lirai les remarques, et on verra en fonction. Donc vous voyez au début je vais pas faire un départ super bien, mais après je vais commencer à faire des séries et je vais faire des morts très connes, hein. Ça vous pourrez tous en témoigner. Donc en fait je vais surtout essayer de protéger les zones et pas les prendre moi, parce que j'aime pas du tout les prendre, parce que tout simplement c'est une zone à mort, et comme j'essaie de faire plutôt un bon ratio kill, bah du coup on peut pas forcément jouer les deux, donc je me suis dit écoute, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc lui, j'ai vraiment pas compris comment il a gagné le 1 contre 1, enfin c'était assez bizarre, parce que j'ai eu le premier shoot et il m'a tué avant. Lui je l'ai même pas vu, mais quel gogol, il était juste devant moi. Bon bref, il y a plein d'erreurs comme ça que j'ai fait au début, où en fait je vais pas voir les gens, enfin surtout que lui il était une native hybride, donc il m'a vu tout de suite, limite ça lui sautait aux yeux. Et donc déjà voilà, on a atteint les 200 abonnés, donc je trouve ça vraiment mais super bien. Vraiment quand j'ai commencé YouTube, je pensais pas en arriver aussi loin. Donc je suis vraiment content. Et aussi donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de GTA 5 ou plus de Call of Duty Ghost, parce que ça dépend des goûts. Je peux faire les deux, mais il faut juste me dire ce que vous préférez, parce qu'apparemment vous avez bien aimé la vidéo délire avec Loldu, Craftpunk, Evan Killer et Paul. Donc voilà, on était ce petit groupe, c'était assez sympa effectivement. On s'était bien amusé à le faire. Donc dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, donc de vidéos sur GTA, ou plus de vidéos de Call of Duty Ghost. Je m'adapterai en fonction des réponses que vous m'aurez données, sachant que je sais que vous pouvez pas donner trop de réponses en commentaire, parce que maintenant faut être Google Plus, et que je sais que vous êtes pas tous Google Plus, donc tout simplement envoyez-moi dans ces cas-là un message privé. Je lirai aussi, de toute façon, je lis quand même beaucoup des messages privés qu'on m'envoie, même si c'est de la pub, mettre en subbox, tout ça, je lis quand même. Voilà, dites-le moi, comme ça, ça me permet de répondre à vos envies, et tout simplement, c'est mieux pour vos yeux, pour votre plaisir, et pour mieux vous divertir. Alors, vous voyez que surtout, là-dedans, je vais surtout... protéger, je sais même plus le nom de la zone que je faisais,
Je crois que c'était. Attendez. Je crois que c'était C. Si je me trompe pas, c'était C, ouais, voilà. Donc tout au long de la partie, je vais essayer de protéger C. Donc voilà, ouais, c'était C. Donc je vais pas la prendre. Totalement pas, hein. Je vais. Là-dessus, j'ai eu un coup de chance, en fait, parce que je regarde l'écran. Donc, je vais pas la prendre, mais je vais la couvrir. Tout simplement pour que personne ne la prenne, et pour que mes coéquipiers viennent et la prennent. Tout simplement. Donc là, vous voyez, c'était 8-5, donc c'était pour le moment un score tout à fait pourri. Donc au début, je filmais, mais comme ça, total au hasard. Et vous voyez qu'à la fin, bah, je vais commencer à augmenter un petit peu mes kills, tout simplement. Et donc je me suis dit, bah, ça peut vous faire une petite vidéo comme ça, dans la semaine, vous détendre un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, là, si on avait repris, là, il y avait les ennemis qui étaient revenus. Ils étaient 3. Malheureusement, je vais pas pouvoir tous les gérer. Ah si, en fait, si, je gère même tous. L'autre qui était parti, je sais pas où. Hein. Ah voilà, mon chien l'avait eu. Oui, donc j'ai pas regardé le gameplay juste avant. Je savais juste ce que j'avais fait à peu près comme score. Je vais pas vous le spoiler d'ailleurs, parce que sinon, plus d'intérêt d'aller au bout de la vidéo. Donc ouais, là j'avais débloqué mon mastodonte. Bon, ça allait, mais là je faisais vraiment attention où le placer. Tout simplement que le mastodonte, c'est un colis qui arrive. Il faut pas le placer n'importe où. Sinon, on se le fait voler. Et dans ces cas-là, c'est comme si on avait fait 10 kills, je crois, le mastodonte, pour rien. Donc dans ces cas-là, c'est assez con. Donc vous voyez, là je le gardais. Tout simplement je cherchais un point pour le poser et pouvoir l'atteindre. Bon, là je vais mourir totalement connement, que je vais refaire après. Voilà, c'est je vais me noyer dans l'eau. Alors je sais pas si vous êtes déjà arrivé sur cette map, mais en tout cas moi je savais pas du tout que là-bas on pouvait se noyer. Et comme une fois qu'on est dans l'eau trop profond, ben on peut plus ressortir, donc en fait on meurt très très facilement noyé. Donc faut vraiment faire attention sur cette map de pas aller dans l'eau, parce qu'une fois qu'on est dans l'eau, limite on est mort. Enfin, ça dépend où on est. Donc là, je vais lancer mon mastodonte. Donc je vais faire très 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 attention d'où il va tomber. Enfin, j'essaie de le couvrir un max. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc j'ai bien fait d'ailleurs de le couvrir, parce que sinon je me serais fait avoir dans le dos. Et donc là, j'ai le mastodonte. Donc là, je me suis dit, ça y est, on peut un peu se lâcher. On peut courir un peu partout, parce que le mastodonte est beaucoup plus résistant. Déjà, les gens n'osent même pas nous tirer dessus. Ils fuient carrément. Donc c'est clairement pour vous dire que j'étais en totale possession. Mais vous allez voir un truc qui va arriver, qui est totalement encore une erreur de ma part, c'est que j'avais le mastodonte, donc toute la partie, enfin, je pouvais monter mes kills tranquillement, on va dire. J'avais plus besoin de me dire, oh putain, putain, faut que je gère mes placements, tout ça. Je pouvais rusher un peu, me lâcher un petit peu. Vous voyez, carrément, parce que je pouvais. Bah, personne ne me tirait dessus. Enfin, bah, tous les gens qui me tiraient dessus étaient un peu inutiles. Donc là, je me suis dit, ça va, je peux un peu me lâcher. On va commencer à rush un peu partout. Donc voilà, on va y aller à la one again. Vous allez voir si ça paye ou pas. Enfin, je vais quand même réussir à faire quelques kills et à prendre un peu d'avance par rapport à mes kills et mon ratio, tout simplement. Mon ratio de partie. Et donc, vous voyez, lui, je pense qu'il savait que j'étais derrière lui. Il va pas arrêter de me fuir. Sauf qu'à un moment, ça va pas payer, parce que voilà, il est retombé. Il s'est coincé contre un mur. Donc là, c'était l'erreur de trop. Et il est mort, tout simplement, poursuivi par moi. Et voilà, donc vous allez voir pourquoi j'ai perdu mon mastodonte dans pas trop longtemps. Hein. C'est tout simplement par une erreur de moi-même que j'ai déjà faite dans la vidéo. Donc voilà. Aussi, pour en revenir à ce ghost, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont ghost, et voilà. Donc c'est là l'erreur que je vais faire, en fait, je pense que vous le devinez. Donc là, je vais sortir, je vais me dire, ok, pas de problème. Là, je vais recommencer à rush, et là, c'est terminé. Je vais me noyer tout bêtement dans cette eau de merde, et là, je peux vous dire, j'avais carrément le seum, parce que tout simplement, j'ai le masto et je meurs, mais pas tué par quelqu'un, mais je meurs encore plus connement. Enfin, c'est, y a pas mort plus conne. Enfin, voilà, moi, pour moi, c'est la mort la plus conne, pour moi, que j'ai eu sur le jeu. Et donc aussi, les gars, je suis content parce que j'ai récupéré tout simplement mon triton, donc recommenter mes vidéos comme avant. Donc là, d'ailleurs, deux campeurs au passage que j'ai pu killer assez facilement, tout simplement parce qu'ils campent derrière un poteau et qui était très 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 visible, comme vous pouvez le voir. Donc tout simplement très facile à killer.
Donc, je suis assez content parce que j'ai récupéré mon triton. Donc, je vais pouvoir vous recommander mes vidéos. Donc, le triton. D'ailleurs, je suis un peu déçu de l'avoir pris sur le coup parce que le triton, c'est pas la meilleure qualité dans le style du jeu. Bon, après, c'est sûr que j'ai le triton kunai pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un assez bon triton pour mais rapport qualité-prix, surtout que moi j'utilise aussi sur Vita. Donc ça c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus le meilleur truc qui existe. Donc là vous voyez, j'étais en 31,9. Donc j'étais plutôt bon, tout simplement, parce qu'au début, je vous rappelais, je faisais du 8,5. Donc c'était quand même, je partais de loin. Et puis j'ai réussi peu à peu à récupérer mon retard. Et donc au final, j'étais quand même assez content. Au fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ma nouvelle intro, donc qui je rappelle a été fait par Rockboy et non par moi-même, donc vraiment un gros merci à lui, c'est vraiment super sympa, donc d'ailleurs sa chaîne sera dans la description, donc allez looker moi ça, parce que c'est vraiment un gars sympa qui fait des belles intros, qui mérite vraiment pas mal d'abonnés, et qui en a déjà quand même, je crois, pas mal déjà, enfin qui a quand même une petite communauté à lui, voilà. Donc voilà, un grand merci à lui qui m'a fait cette intro parce que sinon, ça n'aurait jamais été possible. Donc déjà, au fait, c'était lui qui m'avait fait ma première, donc il a fait les deux. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très content. Donc là, j'étais mort deux fois très bêtement aussi. Mais vous allez voir, là, à la fin, je vais pas arrêter de mourir très 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 bêtement. Et non... Bah parce que tout simplement je voyais le score que je faisais et je me suis dit je peux me relâcher, en fait c'était totalement à tort parce que je faisais pas non plus un score pour me dire ça y est je peux me relâcher, enfin pour moi c'était pas le meilleur score de la terre, mais bon j'étais assez content quand même de moi parce que c'était un bon score que j'avais filmé et donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Donc vous voyez toujours lui qui va me tuer en 1v1 alors que j'ai le premier shoot, ce qui est totalement illogique, et donc voilà, on va bien, la vidéo va bientôt se terminer, si je regarde bien. Donc on a juste le temps de parler des 200 abonnés. Donc vraiment, je suis très content parce que vous, les abonnés, vous êtes assez actifs. Hein. Enfin, pour la plupart, vous, enfin, pas la plupart, mais vous essayez de regarder mes vidéos. Bon, après, il n'y a pas autant de likes que d'abonnés. Ça, c'est comme d'habitude. Hein. Enfin, c'est sur toutes les chaînes, pareil. On peut pas avoir autant d'abonnés. Que, enfin, on peut pas avoir autant de likes que d'abonnés, voilà. Par contre, les vues, ça va bien. J'ai vu aussi que vous avez bien aimé la toute première vidéo Battlefield 4. Et donc, le gameplay touche à sa fin. Donc, on a gagné 200 à 165. Donc, je rappelle, je n'ai pas joué l'objectif, mais j'ai tenté de protéger mes coéquipiers qui le jouaient, eux. Et moi donc je jouais vraiment pas du tout, vous allez voir, j'essayais juste de courir mes adversaires. Et donc je termine sur un 32-15. Donc vous pouvez le dire, c'est pas un super super score, mais bon, c'est quand même un score pour moi qui passe sur YouTube. Allez, à la prochaine.